Bonjour à tous. Nous sommes tous très contents de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Midi Minatech, malgré cette période un peu mouvementée, un peu particulière et spéciale. Nous sommes peu nombreux dans l'amphi, mais nous avons pas mal de monde à distance. Et voilà. Tout d'abord, je vais vous annoncer que la semaine prochaine, nous maintenons les Midi Minatech et nous tâchons d'avoir une nouvelle session. Hein. Ça sera peut-être en vidéo, ça sera peut-être partiellement présentiel, tout dépendra de l'évolution. Alors à ce moment-là, nous aurons le plaisir d'accueillir l'équipe grenobloise du concours iGEM, donc qui a lieu tous les ans. C'est une équipe de 11 étudiants et ils vont nous présenter leur projet, qu'ils vont présenter sous forme vidéo à distance, hein, puisque ce concours a lieu à Boston. Donc, le sujet de leur projet s'appelle BioBusters, une bactérie qui s'attaque aux infections nosocomiales. Voilà, donc j'espère que vous soutiendrez soit à distance, soit en présence. Eh bien, ils seront représentés par 3 des 11 étudiants. Et avant de donner la parole à notre interlocuteur d'aujourd'hui, pour la présentation aujourd'hui, donc je vous invite donc à épingler la petite en vignette, donc la photo de notre interlocuteur, notre orateur, de façon à l'écarter et à ce qu'elle ne masque pas les slides de la présentation. Voilà, donc ça c'est un peu technique, mais aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir François Tardif, donc du CEA, de la DRT au CEA, direction des programmes et projets institutionnels. Et aujourd'hui il nous propose de nous apporter son éclairage sur l'économie circulaire, la recherche et l'innovation au service de l'économie circulaire, un nouveau challenge pour la R, la recherche et l'innovation. François, la parole est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction. Et je salue tous ceux qui sont dans la salle, bien entendu, et aussi ceux qui sont derrière leur écran d'ordinateur. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de qu'est-ce qu'on entend finalement par l'économie circulaire aujourd'hui, quel est le contexte national et européen, et puis quels sont les nouveaux axes en fait d'innovation couvrent justement cette économie circulaire, et comment on doit s'y prendre finalement pour faire de l'éco-innovation, hein, qui est donc l'innovation dans l'économie circulaire. En fait, pour bien comprendre l'économie circulaire, eh bien, il faut retourner un petit peu aux sources. Plus précisément en 1972, au Club de Rome, où on s'inquiète en fait de comment éviter une pénurie de ressources. Hein. En l'occurrence, à l'époque, c'était le pétrole et puis les minéraux, pour maintenir la croissance économique malgré l'expansion continue de la population. Et donc, des consommateurs. À l'époque, on était un peu moins de 4 milliards d'habitants. Déjà, on s'inquiétait de cette chose-là. Alors donc, on a confié en fait l'étude au MIT. Hein, et puis, ils sont revenus et donc, ils ont annoncé que, effectivement, il fallait en fait recirculer le plus possible, hein, en boucle les produits, puis les composants, et enfin, quand on ne peut plus, la matière. Et toujours, et ça c'est très important, en les maintenant en fait à leur plus haut niveau de valeur, plus haut niveau de fonctionnalité. C'est ce qu'on appelle le processus d'inertie. Et voilà. Alors donc, aujourd'hui, on est dans une économie linéaire, vous voyez. On est dans une économie linéaire, malheureusement, à environ 92%. Ça veut dire que entre les ressources que l'on prend et celles qu'on recycle, eh bien, en fait, il n'y a qu'un delta de 8%. Ça avait été calculé et annoncé lors du dernier Davos. Et malheureusement, en fait, ce chiffre, il empire chaque année.
malheureusement, malgré tous les efforts qu'on fait pour recycler. Donc comment on s'y prend? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui? En gros, on extrait les matériaux, on en fait des composants, puis des produits, on les utilise, et puis on les confie à la décharge, hein, en règle générale. Bien sûr, on en incinère une petite partie, mais en fait, c'est qu'une petite partie. Dans l'économie circulaire, première étape, vous allez voir, c'est très différent. Première étape, en fait, on éco-conçoit en fait les matériaux et les produits sobres. Ça veut dire pour la matière avec peu d'atomes, on va dire, et peu d'énergie à la fois, donc pour fabriquer en fait ces matériaux et ces produits et lors de leur usage. Donc ça, c'est la première étape. Et bien sûr, on bannit en fait tout ce qui est mort prématurée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après, deuxième étape, on va allonger en fait au maximum la durée de vie des produits hein, par une maintenance et la réparation. On va réparer tant qu'on peut, d'accord ? Alors, si vous en avez marre hein, de votre vieille cafetière, il faut quand même la porter en fait à la réparation, parce que le réparateur il pourra vous mettre en fait un petit coup de couleur bien design, d'accord, et puis rajouter une puce pour la rendre communicante, et vous aurez l'impression d'avoir donc une nouvelle cafetière. Donc l'acceptabilité sociale en fait de la réparation, vous voyez, peut passer par des choses un petit peu astucieuses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le surcyclage en français, upcycling. C'est valable aussi pour des matériaux, etc. Après, donc, on peut réemployer donc le produit dans sa même fonction, ou bien le réaffecter à une autre fonction. Hein, c'est le cas, par exemple, des batteries de seconde vie qu'on utilise en fait pour le stockage stationnaire des énergies intermittentes. Voilà. Et puis après, donc, on va réutiliser en fait les composants après les avoir triés, après avoir séparé ceux qui sont encore fonctionnels ou pas, et les réutiliser soit pour dans des nouveaux produits, soit dans des produits qui doivent être réparés. Et puis enfin, donc on recycle les matériaux, quand ces pièces détachées, ces composants sont à bout de souffle. Et puis donc on recycle effectivement ces matériaux, et puis effectivement on insère on incinère ce qu'on peut incinérer, et puis on met à la décharge en fait c'est un échec, mais on est bien obligé des fois de mettre en fait une partie à la décharge. Donc voilà, vous avez tout compris en fait de l'économie circulaire, on va dire historique, hein. Voilà. Alors est-ce que ce modèle il est satisfaisant complètement? Non, il a des limitations hein, au niveau de la recirculation en fait de la matière. L'idée de recirculer à 100% tout le temps toute la matière, c'est pas possible. On se heurte en fait au deuxième principe de la thermodynamique, et il est têtu celui-là, hein, d'accord. Donc on va toujours vers le désordre. Deuxièmement, vous allez vite le comprendre. En fait, il y a un effet qui est que on est dans une société économique qui croît en fait en termes de nombre de consommateurs, et en plus en termes donc économiques tout simplement. Donc finalement la matière qu'on a utilisée l'année N, même si on l'a recyclée complètement, ne serait pas suffisante pour l'année N plus 1. Et puis deuxièmement, et ça c'est effet beaucoup plus important, c'est que en fait on stocke la matière qui est transformée, hein, qu'on a transformée en building, en maison, en voiture, en vélo, en vélo électrique. Et en fait, elle est plus disponible ni dans la mine, d'accord ? Et bien sûr, on va pas déconstruire en fait ce qu'on vient de fabriquer hein, pour avoir accès à la matière. Et d'autant plus que ça, c'est un des concepts de l'économie circulaire qu'on vient d'édicter. En fait, on a intérêt à faire durer au maximum donc les objets. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas parfait, hein, on peut dire que c'est pas parfait, bien sûr, cette recirculation, mais avec une consommation, je dirais, ménagée, et puis donc cette recirculation, eh bien, c'est peut-être sûrement la façon la plus acceptable socialement aujourd'hui d'augmenter, de prolonger en fait nos ressources. Alors, deuxièmement, effectivement, il y a une autre limitation.
il y a de l'économie circulaire historique. On a vu qu'en fait, ça avait été développé, cette idée, pour l'économie. Mais on n'a absolument pas parlé ni de l'environnement, hein, d'accord, ni de l'homme lui-même. Donc, petit à petit, ce qui s'est passé, et plus récemment, je vais y revenir, on a évolué vers un modèle d'économie circulaire, on va dire durable, qui puisse adresser l'ensemble en fait de la problématique. Et donc, on s'est. Alors pour ça, comment on a fait? Eh bien, on s'est inspiré en fait de l'approche du développement durable, hein, qui avait été donc définie par l'ONU dès 1987. Et l'ONU pense que pour qu'une société soit durable, pérenne dans le temps, eh bien, il faut qu'elle repose sur trois piliers qui sont la croissance économique, la préservation de l'environnement et le bien-être sociétal. Si un de ces piliers manque, eh bien, la société se casse la figure. Et donc, voilà. Donc, on a pris effectivement cette même approche pour l'économie circulaire. Alors, on résume. Donc, on est parti de l'économie circulaire définition historique. Donc là, l'objectif, c'est la croissance économique grâce au fait qu'on n'a pas de pénurie en fait de matières premières, d'énergie. Et la méthode, c'est l'optimisation de cette circularité, hein, en appliquant le principe d'inertie. Et puis, donc, on a ajouté, vous voyez, des considérations à la fois environnementales et sociétales. Donc l'objectif, c'est que ça soit bon pour l'homme et l'environnement, et les méthodes, c'est la conception en fait des objets, des produits, en tenant compte de des impératifs qui sont dus à l'environnement, des contraintes environnementales, et bien sûr d'évaluer en fait l'impact sociétal. Donc finalement, on arrive à un nouveau paradigme qui est l'économie circulaire, que j'ai appelé dans ce transparent durable, mais en fait aujourd'hui, c'est tout simplement l'économie circulaire, vous avez compris. Et donc, l'objectif, c'est l'optimisation de l'impact, et ce mot est très important, vous allez voir, ça va revenir souvent, de l'impact global, hein, holistique, sur donc la prospérité économique, la régénération de l'environnement. Vous voyez qu'on va un petit peu plus loin que juste maintenir l'environnement comme il est, parce qu'on lui a fait tellement de mal que effectivement maintenant, il vaut mieux déjà penser à le régénérer, et le bien-être sociétal, avec des tas de méthodes, l'éco-conception, la circularité du système de productif, des analyses technico-économiques et sociétales, et on va s'appuyer aussi sur deux outils très très puissants, et qui sont l'innovation et la digitalisation. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de définition vraiment calée parce que en fait, c'est quand même toujours il y a toujours, c'est pas complètement stabilisé. Mais finalement, on dispose à la fois des objectifs et des méthodes, et donc finalement, on n'a pas vraiment besoin de définition pour commencer à travailler. Voilà. Alors quel est le contexte national et européen de l'économie circulaire? Alors c'est parti un petit peu de l'Europe quand même, hein. En mars dernier, il y a eu une nouvelle roadmap européenne sur l'économie circulaire qui s'appelait New Circular Economy Action Plan. Et quand on a vu sortir cette chose-là, on a été très surpris. On l'attendait, mais le contenu était très surprenant pour nous parce que jusque-là, en fait, l'Europe s'agrippait à l'économie circulaire historique. Vous savez, le truc qui tourne, là, voilà, bon. On a compris que ça y est, l'Europe elle-même avait viré sa cutie, et ça a un peu détendu l'atmosphère, parce que c'est vrai que c'était quand même un petit peu compliqué. Il y a même eu des papiers qui décrivaient les 114 définitions de l'économie circulaire. Vous voyez, bon, c'est... Et là, finalement, voilà, on sait exactement ce que c'est que l'économie circulaire. C'est bien l'économie circulaire durable, d'accord? Et d'ailleurs, on peut regarder les objectifs, atteindre la neutralité climat en 2050, d'accord, préserver la santé, régénérer l'environnement, okay, et améliorer la compétitivité des entreprises. Vous reconnaissez en fait les trois piliers. D'accord. Les moyens, circularité du système de production, donc l'économie circulaire, on va dire, historique. Hein. Le numérique, ça va très loin, powered by digital. Donc, c'est vraiment grâce au digital aussi qu'on va pouvoir accéder, faire cette transition vers l'économie circulaire.
Et puis, bien sûr, on est à l'Europe, alors il faut un peu de réglementation, hein, d'accord. Et donc, on va, bien sûr, essayer de limiter, en fait, les produits qui arrivent chez nous et qui auraient été conçus avec, de façon moins, moins vertueuse que ce qu'on en fait, nous. Voilà. Alors après, il y a eu, vous avez entendu, bien entendu, cette histoire de Green Deal, pacte vert, donc proposé par Ursula von der Leyen, d'accord. Et en fait, donc, est sorti fin de l'année dernière. Et donc, finalement, c'est de l'économie circulaire à pratiquement 95%, d'accord, à l'intérieur. Et en plus, il y a juste des choses comme zéro pollution, les nouvelles technologies de l'énergie, etc. Des choses aussi sur l'alimentation, voilà. Et surtout, en fait, ce qui a été annoncé, on va voir si c'est tenu, parce que les annonces, c'est toujours des annonces. Donc, ce qui a été annoncé, c'est le budget à 1 000 milliards d'euros en 10 ans, ça veut dire 100 milliards en fait par an, ce qui est juste énorme, hein, c'est un quart du budget européen. Voilà. Alors, au niveau national, eh bien, le raz-de-marée de l'Europe est arrivé, en fait, on va dire, sur les côtes françaises, d'accord. Et donc, il y a eu cette loi dont on ne parle pas à tort, hein, parce qu'elle est très ambitieuse, donc qui s'appelle « Lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ». C'est une loi extrêmement précise, donc elle est très épaisse, pour être sûr que les gens ne dévoient pas en fait les intentions premières par lors des décrets d'application, comme ce qui est fait habituellement. Et qui a en fait quelques mesures qui sont vraiment intéressantes et même modernes, on va dire. Par exemple, vous avez le maintien de la disponibilité des pièces détachées donc pendant une certaine durée pour les produits, par exemple 10 ans, hein, ça dépend du domaine. Et après, en fait, le fabricant est tenu de fournir en open data donc les fichiers qui permettent de faire de l'impression 3D pour donc refabriquer votre pièce. Donc, vous voyez, c'est quand même, moi je la trouve très très bien cette loi. Et alors donc il y a quand même quelque chose, vous voyez, qui est important aussi, c'est malus aux fabricants qui n'appliquent pas l'éco-conception. Alors, et c'est bien précisé que c'est l'éco-conception, donc depuis le début, depuis le processus d'innovation, jusqu'à la commercialisation du produit. Or, nous, en tant qu'organisme de recherche et d'innovation, ou de recherche et d'autres innovations, eh bien, en fait, on se doit, pour ne pas pénaliser en fait nos industriels, de pratiquer aussi l'éco-innovation. Autrement, on va pas être très apprécié longtemps. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui est en jeu finalement pour nous qui faisons de la recherche, de l'innovation, du développement par rapport donc à cette économie circulaire? Le contexte, donc on a parlé du Green Deal, 100 milliards par an. Eh bien, c'est clair qu'il va falloir que on parle économie circulaire, qu'on pense économie circulaire, et peut-être même qu'on rêve économie circulaire, pour savoir parfaitement répondre aux appels d'offres. Et on va voir que c'est complètement différent. Il faut qu'on inverse, en fait, notre façon de penser. Rien que ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour répondre aux appels à projets, il faut absolument se mettre dans le moule et s'acculturer, en fait, de l'économie circulaire. Et puis donc, on vient de le voir, adoption de la loi nationale sur le gaspillage, enfin contre le gaspillage, pardon, et l'économie circulaire. Et donc, pour être attractif vis-à-vis de nos industriels, il faut que nous-mêmes, en fait, on fasse de l'éco-conception, qu'on applique en fait les préceptes de l'économie circulaire. Et puis en fait, le dernier point, c'est que ça ne vous a pas échappé. En fait, on a une progression très forte en fait des préoccupations environnementales chez nos les éléments les plus jeunes en particulier, ce qui est super, moi je trouve ça vraiment super, et qui s'incarne en fait, toutes ces préoccupations, parfaitement dans l'économie circulaire. Hein. Donc c'est la santé, le climat, la biodiversité, etc. Alors, comme vous savez aussi, en fait, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'étudiants dans les sciences dures, malheureusement, c'est pas que en France, hein, c'est au niveau mondial.
Et donc, et comme les jeunes, et je le vois à travers mes enfants, en fait, ne pensent pas comme nous, hein, clairement, et je pense qu'ils ont bien raison, en fait, ils veulent qu'il y ait de la valeur, hein, à ce qu'ils font. Et donc, ils exigent que, par exemple, s'ils travaillent pour une société, eh bien, que cette société fabrique des choses qui, pour eux, en fait, a du sens, a de la valeur. Et donc, si on veut continuer à attirer, en fait, donc les jeunes talents, eh bien, il faut que nous-mêmes, on ait ces valeurs-là. Et donc, il faut qu'on ait ces valeurs donc de l'économie circulaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la génération climat, après la génération Y, hein, vous vous souvenez. Et donc, faut éviter les dissonances cognitives. Et puis, tout simplement, c'est une merveilleuse opportunité, en fait, pour faire de nouvelles choses, des nouvelles innovations, parce qu'il y a de nouveaux domaines, en fait, dans l'économie circulaire qui s'ouvrent à nous en tant qu'acteurs de la recherche et de l'innovation. Et donc, se convertir rapidement à l'économie circulaire, eh bien, c'est aussi un élément de compétitivité pour nous. D'accord ? Voilà. Alors, quels sont les axes d'innovation pour l'économie circulaire ? Alors, j'ai remis durable, mais j'aurais pu m'arrêter là, hein, vous avez compris. Et en fait, ça, l'innovation dans l'économie circulaire, eh bien, c'est de l'éco-innovation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, dans le domaine de la conception des nouveaux produits, en termes d'objectifs, eh bien, il faut qu'ils soient sobres en matière, faible nombre d'atomes, d'accord, en énergie, qui dure longtemps, qui soit réutilisable, reconfigurable, recyclable, partageable, parce que en fait, on va favoriser le partage des produits, hein, en favorisant l'usage plutôt que la propriété, qui soit accessible à tous. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un prix qui soit compétitif, d'accord. Et des technologies qui soient adaptées. Faut pas forcément du high-tech. Le low-tech, quand on peut le prendre, pourquoi pas, mais ça marche pas tout le temps, malheureusement. Il faut le right-tech, tout simplement. Hein. Voilà. Mettre au point des nouveaux procédés de fabrication, pareil, avec, comme élément, en termes de ressources, également la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, en fait, est considérée comme une ressource très, qu'il faut ménager, pour laquelle il faut faire très attention. Voilà, sans produits chimiques toxiques, etc. Concevoir donc des nouveaux procédés de recyclage, parce que là on a un petit souci, on fait du recyclage bien sûr, mais on le fait mal, hein, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que en fait déjà ils ont des rendements parfois qui sont pas très bons, et des fois finalement on fabrique plus de gaz à effet de serre, hein, en recyclant plutôt que d'aller piocher dans la mine. Là, on en a un problème. Il faut que on fasse des gros progrès dans ce domaine. Et puis donc le numérique, on en a parlé. Donc lui-même, il faut qu'il soit sobre, hein, c'est-à-dire que pour imaginer, concevoir le numérique de demain, il faut qu'il consomme peu d'énergie, d'accord. Et puis qu'il demande aussi le moins possible de main-d'œuvre, hein. Voilà, donc il va falloir qu'on mette aussi le numérique au service du numérique pour le développement, c'est ce qu'on fait déjà. Et puis il faut qu'il soit au service de l'économie circulaire et dans des tas de domaines, hein. Donc par exemple pour gérer en fait toute la matière qu'on va recycler. Donc ça c'est quand même complexe, d'accord. Et puis informer les consommateurs qui sont de plus en plus responsables, avec par exemple un passeport numérique qui va indiquer aux consommateurs donc les gaz à effet de serre produits par le produit, est-ce qu'il est recyclable, etc., etc. Voilà. Bon, etc. Donc voilà. Imaginez des nouveaux services et business models. Par exemple, la récupération des déchets, la réparation. Et ça c'est un domaine que l'on peut largement étendre aujourd'hui par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Voilà, puis il y a des tas d'autres métiers en fait, comme agrégateurs, entre consommateurs pour l'énergie, vous voyez, des nouveaux métiers qui vont apparaître. Voilà, et puis développer des technologies pour la symbiose industrielle. La symbiose industrielle, si vous voulez, c'est quand on utilise
les déchets en fait d'une usine ou d'un territoire comme entrant pour un autre territoire ou une autre usine. D'accord ? Donc il va falloir qu'on reconnecte en fait la façon de produire les usines pour qu'en fait elles soient en synergie. Voilà, ça c'est donc de l'éco-innovation en termes d'objectifs, d'accord ? Et là, donc en termes de technologie, maintenant je vais vous parler. Donc là, j'ai repris ce qui était cité hein, carrément, donc c'est les mots exacts, dans le New Circular Action Plan. Bon, il y a beaucoup de choses, donc je vous laisse lire. Mais on y retrouve beaucoup de choses que l'on fait en fait à Grenoble, hein. Impression 3D, IoT, intelligence artificielle, blockchain, chaîne hydrogène, etc. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous expliquer à travers deux exemples, parce qu'on comprend toujours mieux à partir d'exemples, hein, qu'est-ce que c'est en fait cette économie circulaire dans la pratique. Alors là, c'est le cas qui est très connu de Xerox, hein, qui a évolué, qui a changé son business model petit à petit durant les années. Souvenez-vous, il y a 20 ans, pour ceux qui travaillaient à cette époque-là, on avait donc un photocopieur pour une trentaine de personnes, bon, il était au milieu du couloir, etc. Donc à l'époque, Xerox vendait en fait des équipements, des consommables et puis de la maintenance. Il était un peu tenté de faire de l'obsolescence programmée, puisque évidemment, plus l'appareil tombait en panne, et mieux c'était pour lui. Voilà. Et puis après, il a changé son business model. En termes, donc, c'était un contrat de location, donc, de machines de photocopieuses. Donc, c'était déjà un petit peu plus vertueux, finalement. Et puis, donc, il est arrivé à ce qu'on connaît aujourd'hui dans les grandes entreprises. Tout simplement, Xerox vend de la photocopie. Et non, on ne parle plus de photocopieuse. Il vend un service. On est parti d'une économie d'usage, une économie linéaire, d'une économie d'usage d'un produit, puis d'un service. Alors, en fait, tout ça, ça a été dicté par des considérations de marketing. D'accord ? Mais ce n'est pas grave parce que, finalement, ils ont suivi exactement ce qui est préconisé dans l'économie circulaire. Et donc, on peut voir les résultats qui ont été obtenus. Donc, ils ont été obligés de fiabiliser les équipements. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. De les rendre réparables. Et puis, de développer des composants qui étaient réutilisables, en fait, et en plus, dans toute leur gamme d'équipements, de photocopieuses. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Ben, finalement, comme c'est beaucoup plus difficile de réparer des équipements, de trier, en fait, les pièces qui sont encore opérationnelles, que fabriquer, qui demande en fait plutôt, qui fait appel à des ouvriers. Là, en fait, il a fallu qu'ils convertissent en fait leurs ouvriers à des gens plus techniques, à des techniciens capables de faire ça. Et puis, alors, bien sûr, le coût de la main-d'œuvre a été multiplié par deux, tout simplement, c'est juste énorme. Et les profits ont augmenté un petit peu par rapport au chiffre d'affaires de Xerox, mais un petit peu. Et surtout, ça a permis de sauver en fait la mise en déchets des 3E de 24 000 tonnes par an. Donc là, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en termes d'impact, d'accord ? Donc l'économique, intéressant, puisqu'on fait plus de profit. L'environnemental, c'est au niveau des déchets, et puis réduction des déchets, et puis donc finalement, au niveau sociétal, ben, on a fait évoluer des gens d'ouvriers à techniciens. Deuxième exemple, donc je suis resté un petit peu grenoblois, hein. Donc, il y a une start-up qui s'appelle eBike Labs et qui conçoit et qui fabrique, en fait, des vélos électriques, mais connectés, on va dire. Et eux, ils ont eu exactement la même démarche que l'on doit adopter pour l'économie circulaire. C'est important, là. C'est que on ne doit plus partir de la technologie, mais on doit partir, en fait, de l'usage. Ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui serait bien en fait pour améliorer en fait donc ces locations de vélos. Ils ont remarqué que les collectivités, en particulier les petites collectivités, en fait, étaient un petit peu embêtées de mettre des vélos électriques en location parce que donc il y a ces problèmes de vol, de maintenance compliquée, bon. Hein. Et puis du côté des utilisateurs, eh bien, un vélo électrique qui, par exemple, a plus que 10% de sa batterie que vous prenez,
et vous voulez monter à la Bastille, les 30 kilos, ils commencent à se faire sentir. Hein, donc finalement, ils pourraient hésiter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Ils ont imaginé de la technologie pour répondre en fait à l'impact. D'accord? Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Donc, ils ont développé en fait une électronique embarquée de l'intelligence artificielle qui est capable en fait à distance de bloquer donc le moteur, commander la batterie. Et donc, s'il y a un vol, il bloque le moteur, terminé. Et il vérifie que la batterie est bien pleine avant de confier le vélo donc à un utilisateur. Et en plus, ils arrivent à agrandir, à augmenter la durée de vie de la batterie du fait qu'elle est mieux gérée. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était un deuxième exemple. Alors, quels sont les outils et méthodes pour l'éco-innovation ? Donc, on va commencer par les outils. Alors, les outils, c'est pas difficile. En fait, vous voyez, il y en a un par pilier. Donc, pour l'impact économique, il y a les analyses technico-économiques qui sont bien connues, mais qui sont régies, pas tout le temps, mais pour certaines, dans certains domaines, par des normes. L'impact sociétal, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut faire des études faites par des sociologues, d'accord ? Donc, souvent, ça se termine en études bénéfice-risque, d'accord ? Il y a le problème d'éthique éventuellement, voilà, d'acceptabilité sociale. Et puis, donc après, il y a l'impact environnemental. Alors, c'est ce qui est le plus documenté aujourd'hui, parce que c'était justement l'éco-conception, et probablement vous en avez entendu parler, qui s'appuie, ou non, hein, c'est comme on veut, sur l'analyse du cycle de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception ? Donc, vous voyez, régi par une norme également internationale. Donc là, c'est conception de produits, hein, en minimisant les impacts environnementaux, mais à chaque étape du cycle de vie des produits. Donc, extraction des matières premières, fabrication, transport, distribution, utilisation, bien sûr, et fin de vie. Voilà. Et puis, donc, on peut s'appuyer ou pas sur une quantification, en fait, de ces impacts, d'accord, sur les ressources et l'environnement. Donc, c'est une analyse multicritère. Là, je vous ai donné un petit exemple. Vous voyez, on compare deux produits entre eux. Donc, en termes d'énergie primaire qui est consommée, d'épuisement des ressources, de pollution de l'air, de production des déchets dangereux, c'est juste un exemple. Hein. Il n'y a pas que ça. Ça peut être différent. On peut prendre d'autres critères. Mais voilà. Donc, ça permet parfaitement de comparer deux approches. Hein, et dans le processus d'innovation, dès qu'on fait en fait une modification du principe ou de la technologie, on peut regarder qu'est-ce qui va se passer et on peut également identifier donc les endroits où c'est le plus intéressant d'agir. Et puis alors donc il faut quand même qu'on se méfie parce que ça c'est connu de tout le monde, mais je préfère prendre les devants. Donc effectivement, il peut y avoir des effets rebonds et des détournements d'impact. Effets rebonds, mais justement normalement toute cette procédure permet donc d'éviter ça. Des effets rebonds, vous avez des embouteillages sur une route, d'accord ? Vous l'élargissez, et puis finalement, vous avez toujours les embouteillages parce qu'il y a plus de voitures qui viennent, d'accord ? Donc, mais des fois, heureusement, ça ne se produit pas, mais ça peut se produire. Et puis, par exemple, en termes d'impact, de détournement d'impact, vous avez votre véhicule thermique là, qui fabrique beaucoup de CO2. Vous voulez le changer par un véhicule, par exemple, à hydrogène. Mais lui, du coup, il fait plus de CO2 quand il fonctionne. Pour la fabrication, bien sûr, il en fait aussi. Mais en fait, il va prélever des ressources au niveau des platinoïdes, par exemple, hein, pour les catalyseurs. Voilà. Donc, ça, c'était pour la méthode. C'était pour les outils. Et maintenant, pour la méthode, pardon. Eh bien, c'est ce que je vous disais. C'est mon dernier transparent. Voilà, donc la méthode, eh bien, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On se lève le matin, on a une idée géniale, hein, pour, par exemple, augmenter la vitesse du microprocesseur. On rédige des propositions donc de projets qu'on soumet à l'Europe, à l'ANR, etc. Et puis ça va. Mais maintenant, à partir de maintenant, c'est fini ça. D'accord ? En fait, l'ANR, l'Europe, ne veut plus voir des projets comme ça. Parce que, OK, on aura augmenté la vitesse du microprocesseur, mais pourquoi faire ? Peut-être que, en fait, ça sera tout à fait inutile. Hein ? D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut parler en termes d'impact, encore une fois.
Et donc, il faut avoir cette approche, vous voyez, où en fait, si on a la culture de l'économie circulaire, c'est pour ça que c'est important d'acculturer en fait les chercheurs à tous les niveaux. Hein. Il faut aussi avoir des idées de nouveaux usages. Là, on a Y-Spot à côté, mais il va falloir que tous les ingénieurs, tous les chercheurs, en fait, se mettent ça dans la tête. Et donc, il faut avoir non plus une idée de technologie au départ, mais une idée, en fait, de produit ou d'usage, d'accord ? Et on va commencer à vérifier, en fait, l'impact que ça, l'amélioration de l'impact. Et puis après, donc, on va se servir de cette machine, là, vous voyez, machine à laver, là, qui va faire des études technico-éco, des études sociétales, d'éco-conception. Bon, ça, on ne sait pas bien comment on va s'y prendre encore exactement. Et c'est en cours de réflexion avec Grenoble INP, avec qui on collabore, d'accord ? Et puis après, à ce moment-là, effectivement, effectuer les développements technologiques. Et puis, probablement, il va falloir qu'on revienne en arrière, etc. Enfin bon, vous imaginez le processus. Donc, vous voyez, c'est complètement différent de ce qu'on fait habituellement. Et donc là, du coup, on va être obligé, comme il faut imaginer plutôt des produits. Alors, il n'y aura pas que des produits. Hein. On peut aussi imaginer, en fait, des matériaux qui seront bien dans l'économie circulaire, par exemple des matériaux verts. C'est pas un produit des matériaux, ou alors de l'informatique quantique, j'ai fini la malle. Voilà, et ça va dans le bon sens. Mais donc, il va falloir qu'on torde un peu, c'est les mots de Grenoble INP, les outils, l'éco-conception, il faut la tordre un peu pour qu'elle soit donc utilisable pour des choses qui sont pas des produits. Voilà, donc j'ai fini. Il y a juste la conclusion. C'est pas grave, elle fait que 20 minutes, la conclusion, est mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que finalement, le concept d'économie circulaire, vous voyez, il a évolué. Il est parti de quelque chose qui adressait purement l'économie et on en a fait quelque chose de global, d'accord, qui est durable. Donc, quand vous entendez parler d'économie circulaire, hop, ok, c'est quelque chose de durable. Ça, c'est bon, en fait, pour l'environnement, l'économie et le sociétal. Voilà. Et donc après, il y a donc cette lame de fond là qui est partie de l'Europe, hein, sur l'économie circulaire. Et donc, il va falloir que l'on s'adapte. Et je pense qu'il faut le faire avec bonheur parce que c'est quand même très positif à mon avis. Voilà. Et puis ça va s'appuyer à la fois sur le numérique, d'accord, et donc sur l'innovation. Donc, on est au cœur de cette transformation. Et puis, il y a un petit détail, c'est qu'il va falloir qu'on inverse complètement notre approche pour innover, hein, pour faire de l'éco-innovation, partir de l'impact, c'est utile, aux trois piliers, d'accord, ou au moins deux, et après, développer la technologie qui va bien. Et puis, effectivement, il y a des nouvelles opportunités pour la recherche et le développement dans les applications, les technologies et tout, et ça, c'est très enthousiasmant. Et en tout cas, je voulais vous dire, parce que effectivement, on est à Minatech, donc c'est ouvert un petit peu à beaucoup de centres de recherche sur Grenoble. Hein. Et je voulais vous dire que effectivement, du côté du CEA, en fait, on a vraiment une démarche volontaire, en fait, pour aller sur l'économie circulaire, pour éco-innover, à la fois pour la société, parce qu'on est quand même un organisme au service de la société, et puis pour nos partenaires industriels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci François. Je pense qu'on a le temps de prendre des questions. Alors, j'en ai dans la salle, mais je donnerai aussi la parole aux gens qui sont à distance. Alors, on va commencer par Philippe. Ton micro. Le micro, s'il vous plaît. Vas-y, parle. Oui, merci François pour cette très belle déclinaison de choses concernant la technologie. J'aimerais savoir s'il existe un peu le même type de raisonnement d'un point de vue plus politique ou social, dans la mesure où, en fait, cette technique s'inscrit dans notre mode de vie aujourd'hui européen. Mais à la base, il y a pour moi un vice quand même, c'est toujours cette recherche de l'augmentation, qui est aussi, pour revenir sur des principes physiques, pas compatibles. Et tu as dit un mot quand même très très intéressant, c'est l'impact, l'utilité.
Or, aujourd'hui, toutes les démarches commerciales visent à nous faire consommer des choses dont on n'a pas nécessairement besoin. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir le même type de réflexion sur arrêter de vouloir nous imposer de changer de voiture et toujours de vouloir consommer plus, mais plutôt consommer autrement. Le Covid a été assez intéressant en la matière par rapport à la baisse de consommation où les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient consommer moins en restant chez eux, en étant un peu plus calmes, mais là, c'est reparti. Donc, la question, c'est est-ce qu'il existe une déclinaison sociologique de ce que tu as fait très bien au niveau de la technique ? Oui, alors bien sûr, tu as tout à fait raison. En fait, la technique, elle est au service de la société. Donc, et quand même, ce qu'on a vu avec donc l'Europe, hein, qui s'est emparée du sujet, c'est pas complètement nouveau, mais c'est vraiment monté en puissance hein, cette année. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qu'on pourra pas arrêter, hein, de toute façon. De toute façon, c'est vital, dans un sens. Donc, là, à l'Europe, ils s'en sont bien rendus compte. Ça a été bien relayé au niveau français. Et puis après, ben, il faut faire changer les mentalités. Et ça, c'est peut-être effectivement le plus dur. Mais moi, je suis plein d'espoir par rapport à, donc, aux jeunes générations qui arrivent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas convaincre les plus anciens, hein. Mais je pense qu'ils sont hyper motivés. Quand même, je dirais, je donnerai juste un exemple. Hein. Il y a Total qui voulait s'installer donc sur le site de Polytechnique, de l'école Polytechnique à Palaiseau, pour faire donc un laboratoire commun. Et il y a une pétition des élèves hein, pour refuser en fait ce truc-là. Et en fait, ils ont eu gain de cause, incroyable. Pareil, Polytechnique encore, je m'excuse, je suis pas polytechnicien. A envoyé un questionnaire en fait aux entreprises du CAC 40, d'accord, pour leur demander mais qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Qu'est-ce que vous faites pour le côté sociétal? Alors les mecs, je peux te dire, ils ont répondu. Hein. Et après, ben ils ont diffusé ça à toutes les écoles d'ingénieurs en disant ben voilà, vous allez probablement travailler dans une de ces sociétés, peut-être, ou une autre, ben voilà ce qu'ils font. Et puis après, ben, voilà, on espère, faut arriver à faire que, en sorte que, par exemple, nos jeunes, eh bien, le fait d'avoir un vieux téléphone, par exemple, tu vois, tout rafistolé et tout, ça devienne, en fait, la mode, quoi. Faut qu'on y arrive. Voilà, c'est, mais comment, je sais pas. Voilà. Je sais pas, j'espère que j'ai. Une question d'un jeune. Ah, super. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question. On entend beaucoup parler aujourd'hui de la numérisation, de la digitalisation de l'économie comme solution mise en avant devant beaucoup d'autres, notamment à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut dire que ce n'est pas un énième leurre, sachant que la digitalisation, la numérisation, tout ça, c'est extrêmement gourmand en énergie, en matières premières, et en plus, on va vers une croissance exponentielle du stockage de données, etc., qui fait que tous ces data centers, ça amené à augmenter de plus en plus. Qu'est-ce qui fait dire que c'est pas un écran de fumée, finalement, l'utilisation de l'économie? Alors, tout à fait, faut être très vigilant, hein, d'accord? Et en l'occurrence, ce qu'on peut, alors, je partage un petit peu cette analyse, mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que le numérique, ça apporte, et dans les calculs, hein, que l'on fait, semble montrer que ça apporte plus que ce que ça consomme, on va dire, d'accord. Donc, alors effectivement, enfin, l'énergie qu'on va consommer en grande partie et la matière aussi va être consacrée en fait de plus en plus au numérique, mais ça va permettre en fait, c'est ça qui est normalement positif, c'est le pendant à ta question, ça va permettre de moins dépenser dans d'autres domaines. D'accord. Par exemple, si tu arrives à bien gérer parfaitement ton flux de matières recyclées, tu vois, il y a que le numérique qui peut faire ça. C'est tellement compliqué, tu vois. Savoir que telle société qui est moins loin que l'autre dispose des bons stocks de matières recyclées, tu vas pouvoir prendre, etc. On voit, il y a que le numérique qui peut faire ça. Et donc, on espère que ça va générer globalement, donc moins d'impact sur environnementaux. Voilà. Oui, donc ça veut dire qu'il faut aussi le prendre en compte dans le calcul, voilà. Quoi. Ouais. Okay,
il marche. Normalement, il va marcher ton micro. Ouais, c'est du ne numérique, il faut se méfier, tu as raison. Non, je t'entends pas. Mais... Est-ce que le micro peut être activé, s'il vous plaît ? Vas-y, parle. Tu as touché ? Non, attends, je te donne mon micro. Oui. Merci. Oui, ça marche. François, merci pour cette présentation vraiment très très intéressante. Le sujet est passionnant. Alors j'ai des centaines de questions, mais je vais en poser qu'une qui me tient à cœur. Tu as parlé de l'obsolescence programmée, qui est un vrai sujet. Le cas de Xerox effectivement était très intéressant, mais la question que je me posais, c'est est-ce que l'Europe aujourd'hui a vraiment des moyens, je dirais juridiques, pour s'attaquer à l'obsolescence programmée à l'échelle industrielle, y compris sur le plan pénal ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions de produits qui sont retrouvés dans la nature, justement à cause de cette production sans limite. Et je pense que pour moi, une des réussites de l'économie circulaire, ça serait aussi la maîtrise, je pense, de cette histoire d'obsolescence programmée. Ouais, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est pas du tout sympa pour l'environnement. Et en fait, par exemple, dans la nouvelle loi là contre le gaspillage et l'économie circulaire, il est inscrit. Alors, c'est une loi, mais on attend les décrets d'application. Et là, avec la Covid, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Il y a tout un calendrier, en fait, quand même, sur les décrets. Mais il est explicitement marqué que il faut que les gens qui feront de l'obsolescence programmée, en particulier, ils parlent des imprimantes. Hein, on connaît tous, en fait, ce problème donc des cartouches d'imprimantes, c'est juste insupportable, quoi. Et en fait, c'est marqué très clairement que les gens qui feront ça, eh bien, il y aura un traitement pénal, quoi, voilà, de ce genre de dévoiement. Donc, je pense que c'est intéressant de voir cette loi, je vous invite à la regarder, et personne n'en parle, on parle souvent que de choses malheureusement négatives. Mais là, c'est très positif, cette loi. C'est, quand on la lit, si on y arrive jusqu'au bout, je pense que ça nous permettra d'avancer vraiment en France. Quoi. Voilà. Okay. On a une question là-haut. Oui, oui, bonjour. Donc, le monsieur au premier rang a souligné l'aspect sociétal aussi à prendre en compte. Je voulais juste peut-être soulever aussi un autre problème. C'est vis-à-vis du deuxième transparent que tu as présenté, où il y a quelque chose, moi, une espèce de choses qui me surprend toujours, c'est qu'en 1972, des gens se sont préoccupés d'une espèce de fin des ressources, ou du moins d'une diminution des ressources accessibles. Et au même moment, il y a eu une massification du tout jetable. Et à cette époque-là, dans ces années 72, on avait la réparabilité, on avait des produits qui duraient, etc. Et 50 ans après, on revient à ce modèle-là, et je me dis, mais alors, il y a cette espèce d'opposition. Et puis on met 50 ans pour repartir à l'envers, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de prospective dans nos sociétés et d'imagination du futur ? Ouais, ça, je laisse à chacun la réflexion, effectivement, qui est intéressante. C'est une bonne question. Mais bon, de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, on était 4 milliards d'habitants. Donc, par contre, on connaissait peut-être moins. Donc les réserves réelles en fait en termes de minéraux, de pétrole, et finalement, finalement, qu'est-ce qu'on a vu petit à petit au cours des années? On a réidentifié en fait sans arrêt des nouveaux gisements du pétrole. On sait qu'aujourd'hui même on n'arrivera même pas à le consommer entièrement, hein, d'accord. Et finalement, c'est peut-être devenu quelque chose de moins crucial. Tu vois, on a eu l'impression que c'était moins crucial. Alors donc, on est monté. Aujourd'hui, on est donc à 7 milliards d'habitants. Et en fait, ça commence. Et on a une meilleure vue probablement des réserves exactes qui existent, plus la problématique, bien entendu, environnementale qui est due au réchauffement climatique, qu'on n'avait pas à l'époque, on avait à peine identifié.
Je pense que maintenant, voilà, c'est le moment. C'est le moment, et je pense que personne n'arrêtera cette vague. De toute façon, il en va de notre survie, la survie de l'espèce humaine sur Terre, tout simplement. Hein, voilà. Donc, faut être optimiste. Hein, voilà. Très bien. Avant de finir, on va quand même prendre une question en ligne. Alors, qui va s'afficher tout bientôt, si j'arrive à lire. C'est petit, alors, hein. L'éco-conception incite-t-elle au modèle d'écosystème ouvert, open source, plutôt que propriétaire, brevet? Alors, est-ce que cette question t'inspire? Alors, je ne sais pas si on peut demander des précisions. L'éco-conception ou l'économie circulaire? C'est... Oui, alors, l'éco-conception. C'est peut-être l'économie circulaire. Ouais, c'est plutôt l'économie circulaire telle que je comprends. Je vois que c'est quelque chose qui s'allume. Il y a peut-être la personne qui veut... Non, c'est pas ça. T'as droit à un joker et à proposer une discussion. Hein. Voilà, donc très intéressant. Les écosystèmes ouverts, c'est pas l'éco-conception. L'éco-conception, c'est un outil qui est normé, etc. Je pense qu'il vaut mieux parler effectivement d'économie circulaire. Et effectivement, il faut que les, justement, vous avez compris. Ah, très bien, ok. Donc, c'est bien. Pour refermer en fait les écosystèmes, c'est la base de tout. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'inspirer en fait de ce qui se passe dans la nature, où tout est refermé. Hein. La nature est circulaire par définition. Eh bien, on veut essayer de refermer en fait. Les boucles, hein, des matériaux, de l'énergie, etc., comme sait le faire la nature. Donc, en fait, il faut refermer. Voilà. Closing the loop. Ok, bien. Je vais vous demander de remercier à nouveau, enfin, au moins pour ceux qui sont dans la salle, mais je pense que ceux qui sont à distance aussi. Je voulais vous dire que cette présentation faisait une espèce d'introduction à ce nouveau concept. Et que effectivement, on l'utilise. Il y a des exemples d'applications et que on va essayer de faire en sorte que vous ayez des MediMinatech où on va rentrer un peu plus dans la dans le vif du sujet par des exemples où on a expérimenté ce type de choses. Voilà. Et je vous donne donc rendez-vous à vendredi prochain, soit en présentiel si on a encore la possibilité de le faire. En tout cas. À distance. Voilà. Merci à tous. Merci.